Bonjour tout le monde, j'allais vous dire bonsoir. Bah oui, nous sommes début de soirée. Et donc, j'allais dire bonsoir tout le monde. Bon, c'est pareil, l'intention est là quand même. Donc, bah écoutez, je vous filme cet unboxing partenariat avec qui? Vip Cross Stitch. Oui, alors c'est vrai, j'ai pas noté, mais je fais mes vidéos. Dès que je les reçois, je filme tout de suite, je programme, je ne perds pas de temps. Comme je vous l'ai dit, en ce moment, je suis très très occupée, donc je prends de l'avance pour une vidéo qui paraîtra pas la semaine prochaine, plutôt, je pense, fin de semaine. Oui, oui, dans une bonne semaine, on va dire. Donc, Vip Cross Stitch, sans oublier que je mets à chaque fois en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des articles et le code promo que j'ai pour vous. Avec eux, un code promo qui vous permet de bénéficier de 7% de réduction avec le code ISA07OFF. Faites très bien attention dont la manière est écrite le code. De toute façon, vous l'avez décrit à nouveau en barre d'infos. Voilà. Donc, bah écoutez, alors, j'ai pas noté date. Pourquoi j'ai pas noté date? Parce que tout simplement, maintenant, depuis pas mal de temps, avec Vip Cross Stitch, je ne fonctionne pas comme avec les autres boutiques. Dès que j'ai fini un produit, enfin une vidéo par contre, pardon, que j'ai fini une vidéo que je leur envoie en retour, hein, une vidéo unboxing, aussitôt ils m'ont déjà dit, ça fait au moins 3 fois qu'ils me le disent, mais moi j'osais pas le faire, mais si si, je dois envoyer les liens des produits que je veux et pas forcément de budget. Voilà. Si j'ai envie de tester un produit, eh ben je peux le tester, je peux le demander, ils acceptent à chaque fois. Voilà. Donc, écoutez, j'ai un seul produit, oui, parce que ben, déjà le colis est conséquent. Donc, c'est un super beau projet, un super beau bébé, et qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. Désolée, petite coupure, parce que je suis occupée avec mon four. Je fais le repas du soir et comme c'est quelque chose qui demande un peu de temps et d'être un peu brassée, pommes de terre cuisinées avec un poulet, épices, paprika, etc., etc. Donc, ça ouvre l'appétit. Je vous dis pas les odeurs qu'il y a dans la maison. Donc, je reviens à mes moutons ou simplement à ma toile, un superbe projet. Qui m'a été influencée par une youtubeuse que je regarde depuis 2021, je pense, que je l'ai découverte en 2021. Ouais, assez vite après l'ouverture de ma chaîne, j'ai découvert sa chaîne. Et vous allez comprendre les choses. J'ai découvert sa chaîne, puis après j'ai découvert ce projet. Je reste évasive. Voilà, donc un gros bébé super épais. Vous voyez l'épaisseur hein, de ici. Donc qui vous vient de la compagnie Cross Stitch. Donc toujours avec les instructions à l'arrière de la toile. Et des copines aussi, youtubeuses, ont craqué pour ce joli bébé. Alors, peu importe, pardon, là où elles se sont fournies la toile, parce qu'elle existe en 11, en 14, et dans nos boutiques, elle existe en 11. Voilà. Donc, je vais vous montrer hein, sans plus attendre. Il s'agit de European Town. J'aime beaucoup cette toile. Elle est juste magnifique. Vous voyez Ça rigole pas quoi, c'est je crois que je suis pas au bout de mes peines de ce que je vais trouver à l'intérieur et je suis surprise que Cross Stitch, alors en choisissant j'ai bien vu que c'était Cross Stitch face quand même du 11 CT, donc on vous stipule ici que c'est 3 brins, elle fait 222 cm de oui, donc 2,22 m tout simplement par 45 cm. Vous imaginez le truc? Et on va l'ouvrir. Donc la chaîne dont je vous parle, il s'agit de la chaîne de si son prénom je me trompe pas, c'est Katharina
de la chaîne Lovecraft Forever. C'est franchement, bon, elle parle en anglais, c'est une Ukrainienne et sa chaîne, elle est trop bien. Moi, j'aime beaucoup, je comprends l'anglais, donc je comprends pas tout non plus, hein, faut pas rêver non plus. Avec son petit accent ukrainien derrière, je trouve ça trop mignon. Et elle est adorable comme fille et toujours dans la joie et la bonne humeur, elle vous propose des super vidéos, des giga méga unboxing de dingue. Nous, voilà, moi je me permets que de prendre ça. Elle va vous en prendre une tripotée. Mais bon, c'est une grosse chaîne, il faut pas l'oublier. Et j'aime beaucoup sa chaîne. Et elle nous propose cette toile qu'elle fait en suivi depuis le début de sa conception. Donc il me semble qu'elle l'avait commencé parce que j'avais jamais vu son unboxing au sujet de cette toile. Et elle a super bien avancé. Elle a commencé par là, si je me trompe pas. Elle a rejoint ici, mais il lui reste plus. Ouais, non, mais ça fait plus d'un an qu'elle est sur ce projet. Et vraiment, c'est une dinguerie cette toile. Et quand vous regardez les petites étoiles qu'a ce produit, c'est un produit fort, fort demandé par les acheteurs en fait. C'est une toile qui est très très bien classée. Donc voilà, je lui fais un petit coucou. Ça m'étonnerait qu'elle regarde ma chaîne, hein, ma petite chaîne. Je suis un bébé à côté d'elle. Mais I love your channel. Voilà, c'est Lovecraft Forever. I love your channel. It's very interesting. Voilà, j'ai rien d'autre à dire que dire d'autre quand on est fan d'une chaîne. Voilà, elle le fait avec son cœur et ça se ressent. Même si on ne comprend pas tout, ça se ressent. Regardez-moi ces maisons victoriennes. C'est une scène de vie, hein, en même temps, avec un joli paysage. On a une petite colline, des maisons trop jolies. Donc, elle l'a fait également en 11 CT. Donc, c'est une toile qu'elle a eue, me semble-t-il, en partenariat également avec un autre de mes partenaires. On a ici un petit couple de personnes. On va le voir hein, sur le patron. Ici, petit lampadaire, et ici aussi. Un monsieur qui lit son journal, des fleurs par-ci, par-là. Ça va être trop beau de voir ces maisons. Ici, on a une ancienne voiture, un ancien véhicule, me semble-t-il, ou c'est un tracteur. On verra mieux, hein, parce que l'illustration n'est pas très grande. Toujours des maisons perchées sur la colline. Ici, nous avons comme une rivière qui passe avec le pont, avec la calèche. Avec un couple qui se promène sur la calèche. Ici, on a une barque, la descente avec les marches pour aller justement au niveau de l'eau et de la barque. Ici, encore une belle maison victorienne. Ici, enfin, elles sont immenses ces maisons, hein. Elles sont trop belles, ça fait rêver. Et on voit cette petite rivière ou lac, je ne sais quoi. Enfin, je dirais plutôt une rivière qui suit son train par ici. Et ici, deux petits ponts. C'est vraiment une scène de vie, de retour à lampadaire. Moi, si on trouve de plus en plus de toiles comme ça, moi, je suis partante. Hein. J'adore ça. Ici, on a une personne, alors je dirais plutôt un enfant, qui promène son petit chien. Toujours un lampadaire et de retour un plan d'eau ici. Moi, cette toile, le jour où je la finis, elle va sur le mur, c'est obligé, 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 obligé. Je la surkiffe. Je sens que je vais devoir retourner voir mon four parce qu'il y a des odeurs qui me font penser que ça crame. Vous n'avez pas l'odeur, hein. Mais ça sent bon à la fois, mais ça sent en même temps un peu le gris. Je vais aller voir, je préfère vérifier que de faire des bêtises et je vous reviens de suite. Pour vous, c'est tout de suite, hein. Ben, je me suis brûlé le doigt. Voilà. Voilà ce qui arrive à trois reprises, hein, comme si que l'autre fois j'ai fait pareil. Si ça va pas, je mettrai de la biafine. Je vais attendre que j'ai fini de tourner ma vidéo, du moins. Il sera peut-être trop tard. Mais bon, ça va. Ça, pour l'instant, ça ne me brûle pas, ça ne me lance pas. J'ai bien frotté mes mains parce qu'il y a du paprika, de la sauce tomate. Ah, c'est idéal pour le régime. Non, non, mais moi, je n'ai pas mangé beaucoup de pommes de terre. Je vais me faire des légumes à côté. Donc voilà, je reviens pour la deuxième fois à notre jolie toile.
Donc je vous laisse l'admirer. J'étais occupée à regarder ailleurs avec ma tige de mon support téléphone qui me gêne un petit chouille. Regardez-moi comme c'est joli. Donc vous avez bien sûr le lien de cette toile. Attention, j'ai bien peur qu'un jour ou l'autre, cette toile sera victime de son succès et elle sera peut-être difficile à trouver. Je dis ça, je n'en sais rien, mais elle a quand même toutes les flèches. Voilà, toutes les étoiles, pardon, toutes les flèches, toutes les étoiles des utilisateurs. C'est une toile chouchou par beaucoup de personnes, hein. Donc j'aime beaucoup parce qu'on trouve des maisons quand même assez différentes, même si le bleu ici et là se répète régulièrement. J'ai l'impression que des jeunes sont en train de rigoler devant chez moi en fait. Je filme. C'est pas possible. Et puis je vais être sur... J'ai hâte de voir les fleurs. Alors j'ai déjà, bien sûr, je regarde des vidéos hein, de Lovecraft. Et franchement, c'est trop, trop beau. On voit très bien la calèche, les personnages, le cheval. Oui, on pourrait se dire, ouais, mais on s'était. Eh bien, écoutez, moi je dis, il faut. Voilà, des fois on est surpris par certains projets et il faut oser. Il faut, des fois, on est. Et puis, il ne faut pas oublier, hein, les gens, je pense qu'ils oublient souvent que de la broderie, du point de croix, ça se regarde de la tapisserie, ça se regarde de loin et pas de près. Bien sûr, quand on va regarder, on va voir des pixels. Quand vous faites du pixel hobby, moi j'en ai déjà fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, ne serait-ce la broderie diamant, d'épée, diamant painting. Ça se regarde de loin. Toutes ces petites choses-là se regardent de loin. La télé, ce sont des micro-pixels. Hein, et on les regarde pas, on ne regarde pas la télé collée. Bon, ça s'est amélioré avec le temps. Mais avant, on voyait vraiment le pixel de la télé. Donc, c'est une attitude à adopter, mais bien sûr, au plus votre toile sera petite, au plus la qualité se fera ressentir. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais on ne peut pas dénigrer qu'il y a certains projets en 11T qui sont très beaux. D'ailleurs, vous verrez sur sa chaîne, je la mettrai en barre d'infos, hein, parce que vraiment, c'est juste époustouflant. Voilà. Bah, hâte de découvrir un petit peu aussi le patron avec vous parce que ça envoie du lourd dans tous les sens du terme. Ah ouais, et puis pour sortir, je vous dis pas. Bon, on va y aller progressivement. Je suis pressée comme une gamine qui doit. Alors, quand je savais que. De toute façon, ça a été accepté très rapidement. Et quand elle m'a dit ad hoc, elle me l'envoyait au plus vite. J'étais pressée comme une gamine. Alors, nous avons un livre, n'est-ce pas? C'est The Book. Voilà, il faut ce qu'il faut. Donc là, nous sommes sur la devanture à gauche, en haut à gauche, cette maison-ci. Voilà, page 1. Donc, on a le trait, si on veut le faire en point incompté, pourquoi pas, hein, tout est faisable. On voit qu'on aura du backstitch. Je pense qu'il n'y a que ça. Je ne suis pas sûre qu'il y ait du half stitch, du trois quarts stitch et du French knot. Je ne pense pas qu'il y en ait. Non, je ne pense pas. Donc ici, bon, en fait, c'est très bien parce que ça va nous scinder en parties comme ça. Et ça, c'est génial. Je vais regarder tout de suite si jamais c'est marqué en combien on nous scinde. Mais je ne pense pas. Ah si, 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 regardez. Ah oui, alors carrément, bah oui, puisque je n'avais pas la page en entier. Donc, ici, page 1, en haut. Donc, un petit quart pour la suite. Voilà. Donc, 1, 2, 3, vous voyez, hein, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, les petites parcelles du bas. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, logiquement, ce qui ferait 20 pages. Voilà. J'allais vous dire aussi avant que j'oublie, ce projet, bien sûr que je vais le faire. Il me tient tellement à cœur que je vais le faire. J'ai prévu le commencer en 2024, le 1er janvier. Alors non pas parce que je sais qu'il y a
Il y a la broderie qu'il faut sortir le 1er janvier, qui est une broderie porte-bonheur. Moi, je crois beaucoup à ces choses-là aussi, hein. Mais non, c'est juste me dire, voilà, tu commences ce projet le 1er janvier. Donc, je le fais toute seule, hein, de mon côté, comme une grande fille. Je le sors, je commence 1er janvier. Et voir un petit peu, mais je ne vais pas le mettre de côté du tout de l'année. C'est une broderie qu'on verra constamment prendre forme. Je vais peut-être même diminuer comment dire, mon nombre de broderies. Il ne faut pas en mettre trop. Au plus on en met, au plus comment dire, les avancées sont minimes. C'est logique. Donc, cette année, je travaille d'une manière. Juste de septembre, voilà, je vais continuer mon petit bout de chemin. Jusque décembre, j'ai l'intention de finir des projets, j'ai l'intention de prendre des encours. Voilà. L'année prochaine, ça sera pareil. Mais je vais me cantonner à. Je vais vous dire, grand maxi, c'est 5. Pour moi, c'est immense, 5. 5 projets en cours. Avec des énormes projets comme celui-ci. Ma CCT Disney, ma geisha, peut-être qu'elle sera finie entre deux, mais j'y crois pas non plus. Enfin, voilà, des projets qui me tiennent énormément, énormément à cœur. Et je veux me faire un projet, par exemple, comme en ce moment, vous voyez, j'ai ma York. C'est un projet en cours qu'on a déjà vu sur la chaîne. Je veux le finir. Une fois que je l'ai fini, je le remplace par un autre en cours. Voilà, ça, comme ça, vous comprenez de quelle manière je veux avancer. Chaque projet qui vont suivre ma Chanel, ce seront des en cours qu'on a vus sur la chaîne et que je vais terminer. Voilà. De toute façon, au mois de janvier, je vous réexplique tout ça et je vous donnerai mon petit, sous forme de Flosstube, mon petit roulement avec mes produits, comment je vais fonctionner et ce que vous allez voir pendant un petit bout de temps. Voilà, donc page 1. Vous voyez, c'était déjà préparé dans ma tête comment je voulais travailler. Page 2, ben c'est la suite, hein. Donc, ah, j'ai même pas fait attention. Alors, attendez, ici, on a deux personnages qui sont, hop là, qui sont attablés. Ah, trop bien, deux dames. Nous avons deux dames, dont une qui a une ombrelle. Ah, mais c'est génial, franchement. J'adore. Ah non, mais j'adore. C'est trop trop beau. C'est magnifique. Ensuite, le 3. Le 3, nous sommes ici. C'est les fenêtres de cette charmante demeure. Avec à côté, hop. J'adore. Je suis trop contente. Alors ici, me semble-t-il, on dirait que ça trace un vélo. Alors. Que je dise pas non plus de bêtises. Ah mais oui, donc c'est pas un tracteur ni quoi que ce soit, c'est un vélo posé sur la façade de la maison. Contre la façade plutôt. Sur la façade, ça va être compliqué. Voilà, donc on progresse, on finit cette demeure ici. Page 5. Je trouve qu'on peut pas s'ennuyer parce que il y a toujours un truc en plus, quoi, différent. Et c'est une partielle, puisque le haut qui est blanc ici n'est pas, heureusement d'ailleurs, on pourrait le faire, hein, mais n'est pas à venir broder. J'avais une petite idée. J'ai une petite idée. Vais-je le faire ou pas? Je viens d'avoir une idée de faire soit un ciel un peu bleuté ou laisser blanc et le travailler avec un fil argenté. Isa et ses idées. Vous voyez, moi ça fleurit, j'ai pas besoin de chercher, hein, c'est bien tout seul dans ma tête. Donc nous sommes ici dans cette demeure-ci. Donc on est arrivé ici à peu près, hein, puisque le restant, c'est les parties suivantes. Ensuite, ici c'est quoi? Le 20. Eh bien tout simplement, si je ne sais pas, je me réfère là où j'ai vu tout à l'heure que c'était scindé en plusieurs. Donc le 20, c'est ici. C'est le bas, celui qui se trouve en dessous du 10. Pourquoi ils l'ont mis comme ça? Ne cherchons pas, ça sert à rien, mais c'est très. De toute façon, j'ai même pas fait attention, je suis bête. On a ici de retour le tableau scindé en morceaux. Ok, alors. Ah bah ben si, on a du 3/4 stitch. Alors, attendez. Full stitch. De 1 à 60.
Et de 61 à 65. On a 65 couleurs pour broder cette toile. N'est-ce pas merveilleux, franchement? Donc, les symboles à côté, le code couleur DMC. Voilà, enfin, DMC. Le code couleur de référence. Ensuite, du 3 quarts stitch. Ben, j'espère que je vais les trouver. En tout cas, leurs symboles sont déjà plus lisibles que ce que j'ai vu sur une autre toile. Donc, ouais. Déjà, ça c'est bien lisible, 3 quarts stitch. Donc ça, je regarderai au fur et à mesure de mon avancement. Est-ce que j'ai du K pour pas me tromper? Est-ce que j'ai du K référencé ici? Donc c'est un K minuscule, JK, mais c'est un demi, pouf. Donc il faudrait pas qu'il soit aussi coupé par un trait de backstitch, vous voyez? Sinon ça cache et ça pourrait nous tromper. Bon, regardez si j'en vois, mais ça va être compliqué de voir comme ça tout de suite, sachant que il y a beaucoup de pages. Ça sera au fur et à mesure, hein. Je ferai très attention. Donc, on a du 3 quarts stitch. Donc, ça, c'est quoi? Toujours du 3 quarts stitch, certainement, hein, puisque là, c'est pas noté. Mais ça fait penser au French knot, hein. Quand c'est entouré, en général, c'est du French knot et ça n'a pas été signalé ici. Non, pour moi, c'est du French knot ici. Hein. Les deux symboles, le 4 et le 65, ça sera du French knot. Donc, on va regarder du 4. Alors, peut-être dans les yeux de personnage. On va regarder vite fait ici. Non. Alors, peut-être pas forcément parce qu'ils ne sont pas très grands non plus, mais peut-être des détails bien précis. Pas de 4, pas de 4, pas de 4. Bon, on verra ça par la suite. Je pense que c'est du French knot. Hein. Le French knot est toujours dans un cercle. Et ensuite, du backstitch. Et ils sont très lisibles, les traits, parce que j'ai une broderie sur le thème de Noël. C'est des traits, on est d'accord, mais j'ai trois traits qui sont quasiment de la même couleur. Alors, pour se repérer, bonjour. Donc, franchement, c'est top. 65 couleurs. Ah ouais, non, mais c'est génial. Franchement, c'est génial. On va s'éclater, les amis. J'espère que ces vidéos que je vous prépare pour l'année prochaine, vous serez super contents. Ici, on a un 4. On a un petit canard. On a un petit canard dans l'eau et on va faire du French knot. Ça, c'est tip top. Là, tous les points sont réunis, hein. Franchement. Non, mais c'est génial. Alors, vous voyez, des fois, quand on a du backstitch sur des zones comme ici et ce qui est en dessous des fois pour voir c'est pas toujours évident donc je vous conseille d'agrandir avec un téléphone hein, faire un screen et au moins alors si les personnes ne savent pas ce que c'est qu'un screen c'est une capture d'écran hein, en cliquant sur les deux côtés de votre téléphone en même temps sur la droite on arrive à prendre en photo la chose que vous voulez prendre en photo sur votre téléphone voilà. Non, franchement, c'est génial. Ça va être trop, trop beau. J'ai trop hâte d'être à l'année prochaine. Bon, on va laisser passer tranquillement les vacances qui arrivent. J'ai trop hâte de mes vacances aussi. J'en ai trop, trop besoin. Je suis un petit peu à bout en ce moment. Mais ça va aller. C'est à bout, mais positivement, parce que moi, quand je vois ça, ben, ça me redonne du baume au cœur, quoi. Je finirai Noël. La bonne année. Je vais dire à tout le monde bonne année. Bon, allez, salut! Je prépare mes affaires et tout, ce sera prêt, ça sera prêt de chez prêt. Et je viendrai vous souhaiter la bonne année avec ma European Town. C'est génial comme projet, franchement, je suis trop contente. Ça m'a fleuri, ben, en voyant ces vidéos à elle aussi, ça m'a donné cette idée. J'ai dit, ah, mais oui, mais moi j'ai envie de la faire aussi dans mon petit coin, à la française, franco-belge, française. Je suis née en Belgique, mais bon, j'ai toujours vécu en France, donc... Voilà, à ma manière, à la manière d'Isa et ses passions. Et j'espère que vous me suivrez pour cette aventure, qui vous qui êtes là depuis le début ou qui m'avez découverte il y a peu, et ben j'espère que ces vidéos vous plairont. Voilà, et on nous le rappelle fréquemment, hein, ce tableau. Franchement, c'est génial parce qu'on ne peut pas se tromper. On voit où on progresse, on voit où on en est. Là aussi, le petit chien, il a... dans son œil du French knot. Donc ça, c'est génial. Le French knot n'a plus de secret pour moi. J'adore le faire.
Vous inquiétez pas, hein, des vidéos vont arriver à ce sujet. J'ai une abonnée qui m'en a reparlé dernièrement, du backstitch et tout ça. Donc ça va venir, ça va venir, ça va venir. Regardez ce petit couple, trop chou, j'adore. Ah mais dans une vie ailleurs, j'ai ah il y a des pêcheurs, j'avais même pas vu. Avec leurs petits seaux certainement à côté, tous les petits coin-coin, tous les petits canards ici. Donc j'avais bien raison, c'est un moulin. Le bâtiment qu'on a ici, ici là sur le côté, il y a un moulin. Alors attendez, où est le moulin? Ah, il est juste devant, ici, ça y est, la roue elle est là. Je cherchais tout à l'heure, je dis tiens, il n'y a pas de roue, j'aurais pensé que c'était un petit moulin. Et ouais, non, c'est un moulin. Donc mes pêcheurs, ils sont. Ah, mais oui, ici. Fallait les voir sur l'illustration. Ils sont ici devant le lampadaire. Une scène comme ça sur Noël. Vip cross-stitch. Pensez à leur signaler qu'il faudrait trouver ce genre de produits sur le thème de Noël, Halloween. Mais franchement, il y a de quoi faire. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Je pense qu'on serait plusieurs partantes. Il n'y aurait pas cette monotonie de se dire que c'est toujours le même projet parce que ce serait toujours une scène différente de vie. Ça peut être plein de choses avec une patinoire, vous imaginez, avec toutes ces maisons. Alors, bien sûr, il y a des toiles de Noël avec des patinoires, des enfants, mais ce n'est pas encore pareil. Il y a cette scène de vie, on voyage. J'arrive pas, ouais, j'arrive pas à exprimer autrement ma joie. Non, mais j'adore. Alors, on sort le bébé. Il y a un beau poids, il y a de la matière. Ouh. Alors, il y a de la matière. Ah, c'est propre. Franchement, regardez-moi comment c'est plié. J'aurais peur de tout déplier. Ah ouais. Alors, on n'a que deux aiguilles apparemment. On va regarder la toile. Je sors les fils, il faudrait que je remette correctement parce que comme c'est pas prévu pour tout de suite, la toile, bien sûr, elle est immense, elle est surjetée comme d'habitude. Waouh, l'impression, elle est juste géniale. J'ai rien à dire là de ce que je vois là, je suis choquée. Quand on regarde en vidéo, on sait pas encore pareil que quand on l'a sous les yeux, quand on l'a dans les mains. Poids, 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 poids. 900 points sur 157 points. Donc 900 points comme ça, hein, les amis. Et sur 157 dans l'autre sens. Oh, mais j'adore. Oh, je suis sûre que vous êtes en train de dire, Isa, on l'a compris. Je le mets par terre. Ça vaut le coup d'œil. Je vous mets ça à terre et je vous filme du sol. Ça sera mieux. Je suis choquée. Regardez-moi la taille. Vous êtes prêts? Parce que moi, je suis pas prête. Hein. Quand je l'ai ouverte, j'ai dit, mais j'ai fini quand de la déballer? Je rigole toute seule. Non, mais il y a de quoi. Hein. Je vous le dis. Aïe, 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 je me penche. Hein. Vous avez vu le truc? Eh, il faut un sacré mur. Hein. Mais ici, ça serait possible dans ma salle à manger, en fait. Ah, même dans mon entrée, en fait. J'ai même pas encore commencé, je suis déjà en train de chercher où je vais la mettre. Mon mur derrière y est pris. Mais bon, qui sait, on sait jamais si je voulais changer la déco. Mon mari va dire, tu rigoles de moi ou quoi? Non mais, l'impression. Regardez-moi ça. Donc c'est du 11 CT. On a quand même des zones blocs. Voilà, on a des belles zones blocs. Je trouve qu'on n'a pas tant de confettis que ça en fait. Je vous montre vraiment, hein, regardez les symboles, comment ils sont hyper lisibles. Franchement, c'est juste génial. Là, on a nos petites dames là, qui sont en train de boire le thé. C'est trop. Mais franchement, ah, c'est ouf. Alors, nos pêcheurs, où sont-ils? Ils sont quelque part ici. Où sont mes pêcheurs? Je ne vois pas forcément là. Là, j'ai les deux ponts. Alors, les pêcheurs. Là, j'ai mon vélo, je pense. Non, ici, j'ai mon vélo. J'espère que je ne vous donne pas le tournis.
Là, ici, j'ai les petits canards que je vous montrais tout à l'heure. Alors ici, que je vous montrais tout à l'heure, qu'on aura du French Knot. On a deux autres petits canards ici. Je crois que c'est... Je ne suis pas sûre que c'est ici, mes pêcheurs. Je ne sais pas. Honnêtement, là, j'arrive plus à me retrouver, à me repérer où ils étaient exactement déjà. Ben, certes, ils étaient en train de pêcher à l'étang. Hein, on est d'accord. Là, ici, j'ai le personnage avec son petit chien. Alors, où je suis? Je vais essayer de vous l'avancer parce que là, ça devient compliqué. Hein, j'ai mal au dos. Là, personnage et son petit chien. Non, mais vraiment. Où sont mes pêcheurs? C'est pas de l'autre côté de la rivière. Là, c'est la calèche qui passe sur le pont avec le cheval. Ils doivent être quelque part ici, je les vois même pas. Là, on voit la barque, là. Le moulin, il est ici. À moins qu'ils étaient de l'autre côté du moulin. Ah oui, ils sont là. Voilà. Non, mais cette toile... Plus de 2 mètres, les amis. 2,22 m de toile. Bon, et ben moi je vous retrouve plan table parce que j'ai trop mal au dos. Ah ben dis donc, alors je l'ai plié normalement de la bonne façon dont c'était plié, mais je reviens de plus près avec vous. Vous voyez, hein, il y a beaucoup de zones blocs, donc ça doit être un délice à la faire. Avec des changements de couleur, certes, mais moi j'aime bien travailler en finissant mes fils, donc comme d'habitude chez Cross Stitch, ils nous mettent les contours pour le backstitch, mais ça, je vous dirais que sur la toile, c'est complètement inutile. Hein. On regarde le patron, on vient le faire après. Donc, vous voyez l'impression, elle est juste topissime. C'est génial. Hein, je suis admirative. Bon, même si les traits ici du contour, c'est pas net net, mais on s'en fiche parce qu'une fois passé dans l'eau, on n'aura plus les traits. Donc, tant que tout est OK à l'intérieur de mes carrés, moi, ça me va. Bon, j'espère que je vais bien replier ma toile. On va passer au bébé fil. Au bébé fil. Je crois que c'était mis dedans, hein, mes fils. Hop. Alors, les fils. Et après, je vais retourner voir mon repas avant que ça crame. Il ne manquerait plus que ça. Bah écoutez, les fils sont... Les fils, oui. Voilà, les fils, c'est fini. Sur le premier, nous avons deux aiguilles. S'il n'y a que deux aiguilles, c'est malheureux de donner que deux aiguilles pour un si grand projet. Mais bon, il y a toujours moyen de s'en procurer. Ben, ne serait-ce dans la boutique, votre mercerie, enfin voilà. Et en général, quand on est amoureux de point de 3, on a plusieurs... Ah, ça se sépare en deux. Donc, ils disent bien que c'est du 11CT, il faut prendre trois brins. Certains travaillent en deux brins, chacun fait comme il le sent. Ah, j'ai un organisateur ici. Ah oui, de 65. Bon, bah ça va être compliqué à vous montrer un petit peu les couleurs. Je vais essayer de faire de mon mieux comme toujours. Alors, je les cite pas parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, pour les premiers fils. Hop, ceux-là c'est vu parce qu'ils sont très très bien rangés et je ne voudrais pas les désorganiser. Parce que sinon, ça ne sera pas pratique pour Isa. Bon, attendez. C'est vrai que dans l'idéal, il faudrait que j'enlève. Hein. Ensuite, les suivants. On a des jolies teintes. Hein. On a des pastels, des plus flashy. Voilà. Bon, j'ai envie de les... Je vais dégrafer. J'arrive pas à travailler correctement et moi, ça me va pas. Allez, on recommence. Alors, on a ceux-là. Je vais vous les montrer de part et d'autre. D'accord? Ça sera plus simple. Voilà, des teintes vertes, des teintes marronnées. Voilà. Hop. Suivant. Celui-là, c'est plus rapide. Ils sont jolis. Hein. Et je pense que j'ai jamais eu autant de couleurs là, d'un coup. 65. Ensuite,
partie basse, on a ces fils-ci. Bah, on a des maisons aussi, donc on a beaucoup de marrons. On est dans un lieu un peu champêtre. Regardez, ces couleurs-là sont juste trop trop belles. C'est génial. Oh là là. Je m'attendais pas. Je crois qu'on s'y attend jamais. J'ai beau voir des vidéos, c'est quand on les a en main, je vous assure. Hein, c'est juste waouh. Ces couleurs-là. Oh, elles sont belles. Eh ben, les filles françaises qui ont cette toile, je comprends votre engouement pour cette beauté. Et voilà pour tout ce qui est des fils. Tout est très bien. Le seul bémol, ce sont les aiguilles. Deux aiguilles pour un si grand projet, je trouve qu'il pourrait faire un petit effort d'en mettre au moins 5. Déjà 5 pour un projet de cette envergure-là, je trouve que déjà. Alors, on va essayer de ranger ça correctement. Voyons si Isa l'a retenu, comment c'était mis. Vous m'avez à l'œil, hein, je suis sûre, moi aussi. J'ai essayé, mais bon, quand on parle, on n'est pas concentré. Donc, on va essayer de faire de son mieux. Comme ça, comme ça, comme ça. Hop, on décale un petit peu. J'ai l'impression de faire du repassage ici. Hop, pousser. Et logiquement, ça devait être replié. Alors, je peux le replier à l'intérieur. Le tout, c'est de savoir tout remettre dans le packaging. Et là, oh my god. Si ça rentre pas, je mettrai dans un grand sac. Mais logiquement, ça va le faire. Un peu de force, un peu de patience, beaucoup de patience. Non, mais le jour où je vais l'entamer, ça sera dans un sac à projet. Hein. Je vais l'enlever de cette pochette pour une question de pratique. Je la garderai juste pour les fils que je ne mettrai pas tout de suite. Les fils en plus, on va dire. Parce que les autres fils, moi, je les mets sur un organisateur. Ceux que j'utilise, je mets sur un organisateur indépendant. 65, ah, c'est bête, mes organisateurs, les petits que j'aime, c'est 60. Ouais, bon, les derniers, je les laisserai dessus. J'ai de la place pour les mettre en contrepartie en face. Donc, ouais. Je vais bien le fermer par contre et bien le ranger avec ses frères et sœurs. Et ça, on va se redonner rendez-vous l'année prochaine, pas dans 10 ans, pas comme la chanson. Hop là. Avec cette magnifique toile. Merci infiniment, Adam. Merci infiniment, la société Team Cross Stitch, Bip Cross Stitch, parce que vraiment, ça envoie du lourd, cette toile. Je vais vous donner, par contre, maintenant, son prix. Donc, c'est une 11CT. Nous l'avons vue ensemble. Elle s'appelle European Town. 11CT, 222 par 45 cm. Au prix de 35,97 € pour un projet de cette envergure, je peux vous dire que le prix reste abordable. Parce que quand on pense à nos anciens, ça existe toujours, hein, le canevas. Le canevas, certains coûtent même une centaine d'euros. C'est très très cher le canevas. Et c'est pas un aussi joli rendu que le point de croix. Enfin, moi personnellement, c'est ce que je trouve. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que ce petit moment en ma compagnie vous aura plu, que je vous ai fait un petit peu voyager dans cet univers European Town, voilà, à la française. Et bah écoutez, moi j'étais avec ces personnages, je me baladais et c'était trop bien. Voilà, je vous embrasse bien fort parce que dehors ça se balade en criant. Donc, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, enfin voilà. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et dites-moi en commentaire si elle vous plaît. Et bah pourquoi pas, si vous aussi, vous comptez l'obtenir ou si vous l'avez déjà, si vous voulez, bah, pendant que vous regardez mes vidéos, la broder en même temps que moi l'année prochaine. Pourquoi pas. Voilà, allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.